Bonsoir. Nous démarrons ce soir par un petit tour dans le temple de Thémis, où s'est tenue hier la cérémonie officielle de rentrée judiciaire. Puis, l'actualité du jour nous amènera sur le chantier du quatrième pont, d'où ce matin, un véhicule est tombé dans la lagune Ébrier. Nous vous en parlerons ensuite dans le Live Talk et dans le Live Actu. Parlons de ce drame qui frappe la police nationale avec la disparition du commissaire première classe Akoun Charles Étienne Louis. Les détails tout à l'heure dans le Live Actu. Parlant de police, notre invité du jour a choisi d'en être le relais sur les réseaux sociaux. Hassan Koulibaly Keïta est l'initiateur et l'administrateur du groupe Facebook Police Secours. Avec lui, il sera question de la gestion de l'information sécuritaire en période sensible et du traitement et des stratégies de lutte contre les fake news. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk, bienvenue. J'ai un petit sourire qui accompagne ce lancement. Bonsoir, monsieur Serge Pachy, comment ça Bonsoir, va? Bonsoir, je vais bien, c'est vous? Ben, j'aime bien les couleurs aussi. Ce soir. Très coloré ce plateau, hein, vous aurez l'occasion de le constater. Rayana Assi, bonsoir. Bonsoir, Brice, comment vas-tu? Ça va, l'afro a fait place à un petit chignon. Un petit chignon. Les cheveux en arrière. Cool, plus discret. D'accord. Edith Broubleu, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, Brice. Alors, joli contraste, hein, bleu, rouge. Je pense qu'on est en compatit d'une certaine manière aussi. Voilà, au reconfinement parce que en France. Encore, oui, parce que il y a le retour de notre shine shine maison. Sophie Aïda is back. I am back. Alors, la petite histoire, Sophie Aïda, elle nous avait un tout petit peu… Vous avez laissé, c'est le mot qu'on peut dire. Un peu fait peur, on s'était dit, Sophie, va-t-elle nous rejoindre, va-t-elle revenir? Et même qu'avec la permission de Guizot, quand elle est partie, on s'est dit, on avait même une chanson pour elle, c'était… Général Colbert. Le général Makelele. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. Merci Guizo. I'm ça va, elle est là. Donc la chanson est valable pour tous ceux qui sont en train de fuir. Non, pas du tout. Abidjan est le plus doux au monde. Abidjan est le plus doux au monde, maman. Je suis désolée, je suis obligée d'avouer qu'Abidjan est le plus doux au monde et j'avais hâte de revenir. Très contente d'être. Merci beaucoup. Mais Brice, tu m'as pas laissé terminer. Le bleu, le rouge. On a une pensée spéciale pour les Parisiens, non, la France qui rentre en confinement encore une deuxième fois. Oui. Toi. Oui, toi aussi. Et puis moi aussi. C'est subliminal. By fire, by force, comme on dit. Non, vraiment, on a une pensée. Ouais, c'est terrible. Ok, bon, les Français, on allait vous chanter de rentrer. Ne venez pas, les Français. ne venez pas. Restez confinés. Restez chez vous, les vieux. C'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, on pense à eux et puis on sait qu'ils traversent une période assez difficile. Et puis, Edith a permis qu'on leur fasse un petit clin d'œil pour leur dire soutien. On va démarrer avec les points saillants de l'information. L'actualité d'ici, du jour, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. À tout de suite. Sur le siège. Bon, alors, concernant la politique nationale, c'est par elle qu'on va entamer notre tour de l'actualité. Edith Broubleu, c'est avec vous qu'on parle de cette annonce du président Finguessan concernant Tidiane Thiam dans l'opposition. Effectivement, et je vais tout de go le dire, j'ai le plaisir de vous annoncer que Tidiane Thiam a décidé de rejoindre l'opposition contre la dictature de M. Ouattara. Ce sont les propos de M. Finguessan, donc président du FPI, et c'est en ces termes qu'il a annoncé l'adhésion officielle de Tidiane Thiam au sein de l'opposition, en tout cas de la coalition de l'opposition ivoirienne. C'est une annonce qui se fait à 3 jours du scrutin présidentiel. D'aucuns considèrent cette annonce comme un non-événement.
en termes de portée. Et il faut savoir également qu'à plusieurs reprises, Tidiane Thiam, en tout cas le banquier franco-suisse, s'était exprimé sur l'actualité politique ivoirienne, notamment sur TV5 et également sur ses réseaux sociaux par la voix de son représentant. Et dans un communiqué donc, qui avait été diffusé le 8 octobre, il réitérait son appel à une Côte d'Ivoire en paix en cette période électorale tendue. Donc finalement, pourquoi cette annonce est faite par le président du FPI à quelques jours, en tout cas à 72 heures du scrutin? Quel message en tout cas veut-il envoyer finalement à l'opinion nationale et internationale? Et surtout, on a parlé du timing. Est-ce que c'est véritablement une annonce? Puisque de toute façon, Tidiane Thiam est du PDCI, donc il est forcément de l'opposition. Qu'est-ce qu'on doit attendre, en tout cas, à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Est-ce une manière de dire également que Tidiane Thiam rejoint la désobéissance civile qui a été annoncée par la coalition de l'opposition? Donc, beaucoup d'interrogations, en tout cas. Et finalement, on a une sorte de mystère qui demeure au niveau de cette annonce. Vous avez dit franco-suisse et ivoirien aussi. Oui, oui, voilà, franco-suisse, ivoirien. Voilà. Lapsus. Et on a un extrait du discours d'Afing Gesson d'ailleurs. Oui, et je vais continuer par cet extrait. Il m'a chargé d'annoncer officiellement et solennellement au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rejoindre l'opposition et que désormais, il est avec nous dans ce combat contre la dictature d'Alassane Ouattara. Ce sont ses termes. Ok. Ben. C'est une information comme une autre. Après, je veux dire, elle tombe là, maintenant, tout de suite, dans toutes les questions que se pose Edith. Je crois qu'on a le résumé de la situation et de tous nos différents avis sur cette information-là. Tidiane Thiam, on le sait depuis un bon moment, en tout cas, on le voyait sur les réseaux sociaux, on voyait les messages des gens l'invitant à rentrer dans le jeu politique. On a même reçu ici le gouverneur du district de Yamoussoukro qui nous a parlé effectivement de ses ambitions, son aîné qui nous a parlé de ses ambitions qui jugeait qu'il pouvait être également présidentiel. Et on a eu son point de vue d'ailleurs sur cette question-là. Donc, il était un peu dans les backstage, on ne savait pas trop s'il devait venir ou tout, puisque jusque-là, on n'avait aucune annonce officielle venant de lui-même, Tidiane Thiam, jusqu'à ce qu'on ait pour l'indépendance cette déclaration de lui qui souhaitait les vœux au pays, que certains internautes n'ont pas forcément compris. Est-ce que c'était un message? Est-ce qu'il fallait entendre des non-dits? En tout cas, bref, il y avait beaucoup de mystères autour de sa personnalité, de son engagement politique en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que cette annonce tombe aujourd'hui avec Pascal Afing-Gesson. C'est désormais presque officiel, en tout cas son entrée dans le jeu politique ivoirien. Après, presque officiel, peut-être qu'officiellement, une déclaration de lui. De lui, tout à fait. Voilà, ce rendrait les choses beaucoup plus officielles. Beaucoup plus officielles. C'est pour ça que vous utilisez le mot presque. Il s'était déjà exprimé, il s'est exprimé sur une chaîne étrangère. Donc, on attend de voir si officiellement il s'exprimera sur une chaîne de télé privée locale. Bien sûr, donc on attend de voir parce que dans le jeu politique d'un chaîne de privée locale, je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant de s'exprimer sur une chaîne locale, une chaîne nationale locale comme Live TV. Voilà. En tout cas, il est ivoirien et ça c'est important de le dire. Tidiane Thiam, il est ivoirien, il a travaillé dans les banques françaises et suisses, mais il est bel et bien ivoirien. Et il est aussi membre du conseil d'administration de Kering, le numéro 3 du luxe mondial. Merci Didou, merci beaucoup. Alors, une autre nouvelle, cette fois celle de la chute de ce véhicule au niveau du quatrième pont. Il dit Sophie Aïda, vous nous en parlez. Alors au niveau, c'est triste, justement, c'est très triste, on peut le voir sur les images. Au niveau de Sebroco, ce mercredi 28 octobre 2020, un véhicule de type pick-up a fait une chute dans la lagune Ébriée à Abidjan, depuis un pont provisoire qui a été mis en place dans le cadre de la construction du quatrième pont d'Abidjan qui va relier Cocody au plateau. Alors, à bord de ce véhicule, selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, étaient trois employés du chantier du quatrième pont. Le véhicule a été repéré à 10 mètres de profondeur et il a été sorti à l'aide d'une grue. Eh bien, le bilan, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est lourd. Hein. C'est très triste. On parle de trois personnes donc, à bord qui ont été repêchées, mais malheureusement, aucune d'entre elles n'a survécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il en est? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Mais selon Police Secours, la police et la gendarmerie étaient sur les lieux pour établir justement les conséquences réelles de ce drame. Donc, on voit la voiture. Le pick-up est carrément renversé. Sophie Aïda, ce point, il relie
Cocody, Yopougon plateau. Yopougon plateau. En tout cas, on voit la gravité quand même de l'accident quand on voit l'état de la voiture, hein, ouais. Carrément renversée et puis. C'est vraiment dommage. Dans ces circonstances, on dit que... En tout cas, on adresse toutes nos condoléances aux familles. On s'est pleuré. Quand ça permet de redoubler hein, donc les questions de sécurité, de prudence, de responsabilité, de vigilance pour nous éviter ce genre de situation. Et puis, un autre drame, cette fois, c'est un commissaire de police qui décède. Oui, effectivement, qui décède et qui succombe à des tirs d'assaillants, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont été identifiés comme ça. Pour l'instant, les enquêtes sont en cours. Les faits se sont passés hier à Angrais vers la CNPS. Angrais, donc vers la CNPS, c'est 8e tranche, 9e tranche. Aux environs de minuit selon la police nationale, en tout cas dans la nuit d'hier, mardi 27 au mercredi 28 octobre 2020 à minuit, trois bandits armés de pistolets automatiques ont fait irruption dans ce bar à Angrais du côté de la CNPS. Alors, après avoir tenu en respect les personnes présentes sur ces lieux, il s'en est suivi des échanges de feu entre les bandits et le commissaire de police de première classe, qui est M. Hakoun Charles Étienne Louis, en service à la direction de la police criminelle, qui était donc présent sur les lieux au moment des faits. Donc, dans sa riposte, le fonctionnaire de police a réussi à abattre un des assaillants. Les deux autres se sont enfuis, mais la police nous laisse entendre que les enquêtes sont en cours pour pouvoir le retrouver, d'autant plus qu'ils ont en leur possession une pièce à conviction qui est quand même importante, puisqu'ils ont réussi à saisir une des armes d'un des assaillants. Et donc l'enquête suit son cours et malheureusement, dans cet échange de tirs, le commissaire première classe est décédé sur le chemin de son évacuation au CHU d'Angrais. Donc toutes nos condoléances, les plus attristées également, à l'endroit de sa famille. On notera qu'en l'espace d'une ou deux semaines, c'est quand même pas mal de drames hein, qui sont arrivés entre les viols de jeunes filles, les accidents, les décès et tout ce qu'on a pu annoncer sur ce plateau. En tout cas, c'est ça, un appel à la vigilance. Je pense que c'est le bref résumé de ces informations-là. On s'intéresse à la justice en Côte d'Ivoire, on dira du renfort hein, pour la cour d'Abidjan à sa rentrée 2020-2021. C'est ça. Donc à la rentrée judiciaire. Je vais parler de rentrée, et non pas de rentrée scolaire, mais de rentrée judiciaire, hein, parce que c'est quand même 12 magistrats nouvellement affectés à la cour d'appel d'Abidjan qui ont été installés, et 8 auditeurs de justice qui ont prêté serment. Alors la cérémonie officielle a eu lieu au plateau, donc mardi dernier, le 27 octobre. Alors la cour d'appel démarre la nouvelle année judiciaire avec pas moins de 3574 dossiers auxquels vont s'ajouter ceux qui seront enrôlés dans l'exercice de sa mission annuelle. Donc pour l'année judiciaire 2019-2020, la Cour a enregistré 6291 dossiers, toutes affaires confondues. Et au nouveau magistrat qui intègre la Cour, le procureur général Marie-Léonard Lébry demande de ne pas être des magistrats Facebook, WhatsApp, Messenger et Twitter. Et il explique, il dit, bien que cela soit de votre époque, ne soyez pas des magistrats Facebook, WhatsApp, Messenger ou Twitter, réseaux sociaux où se tiennent parfois des débats puérils et stériles. Soyez plutôt des magistrats proches des textes de loi, des magistrats qui connaissent parfaitement la loi et les appliquent avec la rigueur. Donc ce sont les propos du procureur général. Alors l'année judiciaire est l'année d'activité donc de la justice. Hein, elle s'étend sur une période de 10 mois et généralement elle commence en octobre de l'année en cours et se termine en juillet de l'année suivante. On parlait de ces 8 auditeurs-là qui viennent renforcer le dispositif donc, des magistrats au niveau de la... C'est vrai qu'ils sont un peu débordés quand même. Hein. Pour les questions pour certaines questions, souvent les dossiers sont renvoyés à des mois et ça c'est très difficile. En tout cas, le président de la Cour d'appel a dit hein, « Nous sommes particulièrement heureux du renfort que vous constituez afin de venir à bout des dossiers dont le nombre s'accroît d'année en année. Ouais. » Ouais. Donc voilà. C'est la question du divorce. Il va se demander pourquoi d'ailleurs. Mais par rapport à sa remarque sur le fait, en tout cas le conseil qu'il a donné aux différents magistrats, ne soyez pas des magistrats Facebook, Twitter et WhatsApp, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il a mentionné. Et c'est elle ? Non, ce n'est pas moi. Non, je parle du président de la Cour. Que ce soit clair sur ce plateau. C'est une dame, donc voilà, ce sont ses propos. De la Cour d'appel, ok. C'est ça. Mais le problème, c'est que de toute façon... Le magistrat, c'est pour ça, en fait.
ils doivent s'adapter de toute façon à leur temps. Ce sont des magistrats leur époque. Non, il est important qu'ils puissent parler c'est de bien saisir qu'il ne faut pas se laisser influencer par certains débats qui sont, et de rester des magistrats assez proches des textes. En même temps, c'est le même conseil. C'est le même conseil. C'est exactement le même conseil. La sensibilisation. C'est exactement le même conseil qu'on nous a donné, nous, lorsqu'on démarrait cette mission, c'est-à-dire soyez des journalistes, basez-vous sur les faits et non ce que vous lisez, vous pouvez lire sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas toujours... Je pense en tout cas de mon analyse que ce n'est pas forcément dans ce sens-là, c'est plus que les magistrats, nous pouvons nous permettre de nous lancer par exemple sur des forums de discussion sur Facebook en tant que journaliste peut-être avec preuve à l'appui, mais un magistrat par contre qui passe son temps à débattre ou à défendre son point de vue par rapport à sa connaissance de loi sur Facebook avec des individus lambda, je pense pas que ce soit sous cet angle là, c'était plutôt d'être une forme de réception d'informations en provenance de Facebook, de WhatsApp et autres. On leur demande de rester proche des faits de la loi, c'est ça surtout. Voilà. De ne pas se laisser influencer par tous les débats qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais ça ne les empêche pas de pouvoir d'être connectés. De faire la sensibilisation auprès du public des textes de loi. C'est le manque d'information qui fait que certaines personnes, les citoyens, se retrouvent devant la justice parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Oui, mais c'est juste. On ne peut pas rentrer dans des débats. Bien sûr. En tout cas, quand Rihanna a parlé tout à l'heure, elle a parlé Facebook, Twitter et tout, j'ai vu les yeux d'Edith s'ouvrir comme ça. Vous savez que ça me touche. Comment ? Vous savez que ça me touche. Mais ouais, mais vous ne faites pas l'avocat défenseur, pour utiliser un terme très lié au sujet, l'avocat défenseur. Bravo, Brice. Je vous en prie. Ça permet d'expliciter un peu le propos. Les téléspectateurs. D'accord. On va réformer ce débat. Je pense que c'est mieux. C'est clair. C'est tout ce qu'on pourrait vous dire, en tout cas, concernant l'actualité du jour. On poursuit maintenant avec notre micro-trottoir. Pour faire appel aux pompiers, à la police ou encore au SAMU, nous disposons de numéros verts ouverts 24 heures sur 24. Malheureusement, certains s'amusent à appeler abusivement pour leur faire des blagues de mauvais goût, j'insiste, de très mauvais goût. Comment sensibiliser la population sur les appels abusifs vers les numéros de services de secours? Nokana Paleka et Gauthier Huy ont recueilli vos avis dans ce micro-trottoir. Je pense que pour sensibiliser la population sur les appels abusifs aux services de secours, il va vraiment falloir une grande sensibilisation. Soit on va peut-être faire ces numéros-là payants, voilà, pour pouvoir filtrer ces appels-là et puis faire des messages de sensibilisation également. En ce qui concerne les appels abusifs sur les numéros de secours, moi je pense que les autorités gagneraient à prendre des mesures vraiment drastiques, pourquoi pas même l'emprisonnement, voilà, ou des amendes. Et aujourd'hui, tous les numéros sont identifiés, ma foi, donc voir avec les maisons de téléphonie mobile pour ne serait-ce que filtrer ces numéros, les retracer et puis appliquer des sanctions à ces personnes. J'ai travaillé dans un centre d'appel, donc je sais un peu de quoi il s'agit. Des gens t'appellent juste pour t'insulter, dire que, écoutez, il y a le slip de ma maman qui brûle, il y a ce genre de choses, c'est vraiment compliqué. C'est qu'on doit faire pour les sanctionner là, c'est pour les dire, ils n'ont qu'à arrêter d'appeler les sapeurs-pompiers dans le mensonge pour qu'on puisse avancer. Mais quand c'est comme ça, en cas de quelque chose, les sapeurs-pompiers ne peuvent pas venir à notre secours. Ou même si les gens de sapeurs-pompiers aussi peuvent mettre les caméras, s'ils voient que c'est mensonge, là le caméra montre que ça c'est mensonge. Mais s'il n'y a pas de caméra, ils vont toujours appeler. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation, essayer de faire comprendre à ces personnes-là qu'il ne sert à rien de mobiliser les sapeurs-pompiers vers une zone ou bien le SAMU vers une zone alors que c'est tout juste pour s'amuser. Il faut éviter ça parce que ce sont des services qui sont à notre service pour les utiliser à bon escient. Pour les appels abusifs des numéros secours, je pense qu'il faudrait qu'on facture. Autant ça sera gratuit, autant il y aura toujours des appels qui n'ont pas vraiment d'urgence. En fait. Pour sensibiliser la population concernant les appels abusifs sur les services de secours, il est déjà important, puisque l'État a lancé des opérations d'identification pour toute personne détenant un numéro mobile. Donc, si une personne se rend coupable d'un tel fait, on peut déjà la sanctionner. Parce que quand vous appelez par exemple un numéro sapeur-pompier pour une situation qui en réalité n'existe pas et vous demandez l'intervention des sapeurs-pompiers, pendant que les éléments des sapeurs-pompiers se déploient, il y a une situation réellement qui se passe dans un autre endroit. Voilà. Donc ça peut être tomber ton propre parent. Pour pouvoir sensibiliser les gens par rapport aux appels abusifs au niveau des urgences, moi je pense qu'il faut plutôt conscientiser les personnes. Et je pense que Facebook est bien placé pour sensibiliser les gens.
on peut même faire des spots. Et aussi, il faut impliquer aussi les influenceurs, parce que nous avons en Côte d'Ivoire des influenceurs, des personnes vraiment qui ont beaucoup de followers. Ces personnes-là, bon, ils peuvent les sensibiliser dans les directs. Et puis aussi dire aux gens de ne pas faire ça parce que c'est dangereux. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bon, tout sur le plateau du TOC, on a ces réactions-là. Évidemment, quand on voit que souvent nos sapeurs-pompiers, nos braves sapeurs-pompiers, parce qu'il faut le dire, c'est ces messieurs abattent un travail extraordinaire, un travail énorme. Comme vous voyez, d'ailleurs, la devise, c'est sauver ou périr. Ils risquent leur vie. Et souvent, ça fait mal au cœur d'imaginer que ces personnes-là sont appelées pour des choses qui n'en valent pas la peine, ça fait perdre de l'argent aux contribuables, parce que ce sont les camions qui vont sortir avec du carburant, ça mobilise des hommes. Et pendant que ces camions-là sont, déjà qu'ils ne sont pas très nombreux, donc pendant qu'ils sont en intervention fake de ce côté-là, les gens en ont vraiment besoin. C'est un vrai problème. J'ai envie de dire, à quel moment tu es chez toi et puis tu as l'idée de faire un canular pareil, des petits malins qui s'amusent à prendre le téléphone, leur téléphone, que ce soit fixe ou leur téléphone portable, pour appeler, pour perturber les lignes. Et finalement, on se retrouve avec, comme tu l'as dit, des sapeurs-pompiers qui sont mobilisés dans des zones. Parce que le numéro 85, c'est le numéro vert, on l'a dit. C'est surtout parce qu'ils ne prennent pas conscience du rôle de ces personnes-là. Mm-hmm. Et qu'ils peut-être ne réalisent pas qu'en faisant ça, il y a d'autres personnes qui meurent à cause d'eux. Il y a quelqu'un qui a parlé de... Il est bien prendre conscience, parce que parmi ces personnes-là, il y a beaucoup d'enfants. Mm-hmm. Il y a beaucoup de jeunes et de très jeunes qui, eux, dans la fleur de l'âge, ont juste envie de faire des blagues parce qu'ils n'ont pas conscience. Moi, je plaide coupable parce que je l'ai fait petit. Je devais avoir peut-être 9 ans ou 10 ans. À l'époque, sur le téléphone fixe, c'était le seul numéro qu'on connaissait parce qu'on l'avait appris. Non, pas si. Nous, on utilisait les téléphones comme ça. Ah, si, c'était celui-là, Serge. Moi, quand j'avais 10 ans, à la maison, non. C'était lequel téléphone? Non, c'était les Chocos qui avaient ce téléphone pour tourner là. Oui, le téléphone. On avait déjà un clavier. Voilà, pour terminer, excusez-moi Brice, vous m'envoyez trop loin là, c'est peut-être votre époque, c'est pas la mienne. C'est la même époque. Je suis pas si vieux, désolé. Donc pour terminer mon propos, c'est que oui, c'était le seul numéro qu'on connaissait et qu'on pouvait faire sur le téléphone, et c'était gratuit. Ouais. Donc on s'amusait à faire ça, et aujourd'hui c'est le lieu d'interpeller les parents. Pour qu'ils fassent attention aussi, pour qu'ils sensibilisent les enfants à la maison, pour qu'ils comprennent que c'est... Nous, on ne savait pas, on ne nous avait pas sensibilisés, donc aujourd'hui, on le fait. Et ce serait bien que les parents et tout le monde s'y mettent. Moi, dans la vidéo, dans le micro-trottoir, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé de mobiliser les influenceurs. Et je pense que ça, c'est une option. Je pense aussi. c'est une option, sachant que la première cible, c'est les jeunes. Donc, il parlait justement de ces personnes-là qui ont beaucoup de followers et tout, qui peuvent justement relayer ce message. Donc, Edith Brou, bleu, je me sens concernée. Je suis quand même étonnée que vous me parliez de ce téléphone-là, parce que très franchement, moi je le voyais dans les films. Je n'ai pas utilisé ce téléphone. Moi je l'ai utilisé. Mais les Chocos, à un moment, on avait chez eux parce que c'était un objet de collection. Non, c'est pas ce téléphone-là dont on parle. Allons quand même, Serge. Vous ne ramenez pas à cette époque. On parle de l'évolution de ce téléphone-là. Il y avait les téléphones, les touches, le cadran. Après, il a évolué, le cadran, il n'était plus circulé, il était à clavier. J'étais trop petit, je ne m'en souviens pas. En tout cas, je suis beaucoup plus jeune que vous, visiblement. Mais non, mais non, mais non. Rihanna, de Rihanna. Si elle doit rentrer. C'est le discours du téléphone. Allez-y. Oui, téléphone portable quand on y reviendra. Non, mais c'est vraiment... Pour revenir au sujet, c'est vraiment un point important de prise de conscience, de sensibilisation. Et on parle même du téléphone. On peut même évoquer la circulation. Il y a des personnes, souvent quand les pompiers, vous avez des pompiers, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils ne laissent pas passer. C'est incroyable. Laisse pas passer les camions de pompiers, les ambulances, etc. Exactement. C'est vrai. C'est de l'incivisme. Totalement. C'est vrai que souvent, certains... petit malin, nous place des gyrophares où il ne faut pas. Non, mais on sait quand même reconnaître des sapeurs-pompiers. On va dans le coup de la route quand vous voyez. Donc, du coup, s'il vous plaît. Il est important de rappeler qu'une campagne de sensibilisation, comme l'a dit l'un des témoins, pourrait aider en tout cas. Une campagne de sensibilisation régulière pourrait permettre de vraiment sensibiliser les jeunes. Ils sont dans des groupes, ils sont sur TikTok. Ils peuvent avoir une campagne de sensibilisation effective pour ces réseaux sociaux-là, pour pouvoir les toucher là où ils sont. Parce que ce qu'on ne savait pas, c'est que souvent, ces personnes vont en intervention. Vous ne savez même pas si
si c'est vous qui vous ou pour quelqu'un. Tant que ça ne nous touche pas, on ne se sent pas concerné. Donc, les jeunes, s'il vous plaît, arrêtez de jouer avec la ligne téléphonique du groupement des sapeurs-pompiers parce que vous pouvez avoir une influence sur la vie des gens, une influence négative. Je vais plus loin. Cette blague-là, on se rappelle, il y a quelques années, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais il y a quelques années, quand on était témoin nous-mêmes d'un accident, vous êtes au moins 10 personnes à être témoin d'un accident, les 10 personnes appellent le 180, mais les pompiers, en fait, ils recoupent. Plus il y a de personnes qui appellent, plus ils se disent « Ok, c'est sérieux, on peut y aller ». Mais pendant ce temps, c'est des minutes perdues. Donc, c'est simplement parce que beaucoup de gens passent leur temps. Et c'est surtout quand vous décidez d'appeler les pompiers, il faut avoir un minimum d'informations sur là où vous trouvez. Mm-hmm. Pour plus vite vous leur donner ces informations-là, plus vite ils interviennent. Et puis, c'est bizarre, on va même demander aux gens « Vous vous en prenez pas au camion des pompiers ?» Moi, j'ai vu des gens qui agressent des pompiers quand ils arrivent. Oui, ils agressent les vitres, ils arrivent en intervention. C'est incompréhensible, en fait. Ils viennent sauver des vies, ils viennent en intervention et il y en a des petits malades qui cassent les vitres. Vous êtes venu un peu trop tard, les pompiers après le drame. J'ai un mot à dire, mais qui n'est peut-être pas, c'est peut-être pas opportun, mais en vrai, les pauvres, ils n'ont rien pour travailler. Oui. Ils n'ont rien. Oui. Alors que, je veux dire, on est un pays en voie de développement, on devrait aujourd'hui avoir, au niveau du système hospitalier, mais surtout au niveau des sapeurs-pompiers, on devrait vraiment, au niveau de l'État, avoir un regard beaucoup plus minutieux sur ce qui s'y passe, parce qu'ils sont là pour sauver des vies. Ouais. Eux, on doit les équiper en priorité. Ouais. J'ai vu, il y a des motos aujourd'hui, c'est bien beau des motos, mais on veut des camions qui peuvent permettre d'évacuer des gens, on veut... Éteindre des incendies et... En tout cas, ils ont toujours tiré sur la sonnette d'alarme pour dire qu'ils sont pas toujours assez équipés. Il faut petite pensée pour nos sapeurs-pompiers. De saluer le groupement des sapeurs-pompiers parce que depuis 2 ans, ils font un travail extraordinaire de communication sur leur page Facebook et leur compte Twitter. Ils organisent même des séances d'immersion pour les enfants, pour qu'ils puissent venir découvrir le métier de pompier, participer aux interventions et tout, pour vraiment comprendre comment réanimer une personne. Exactement, les gestes de premier secours et tout ça. Et franchement, chapeau à l'équipe du groupement des sapeurs-pompiers sur les réseaux sociaux. Vous faites un travail extraordinaire. Merci. D'ailleurs, notre invité tout à l'heure aura l'occasion d'expliquer sa relation, sa collaboration avec nos braves sapeurs-pompiers. Je vous aurais bien joué du « Ne partez pas aux sapeurs-pompiers ». Mais je vous en fais l'économie, je vous en dispense. Et il se dévoue chaque jour pour notre sécurité via les réseaux sociaux. Hassan Keïta est l'initiateur et l'administrateur du groupe Facebook Police Secours qui compte 187 000 membres. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, et vous-même? Ça va, très très bien. Vous constatez, on a le sourire sur le plateau. En vrai, malgré tout, on garde le sourire. Vous connaissez la chanson? Non. Ah si, c'est une chanson. Si. C'est vrai, c'est une très très jolie. Non, elle a donné le mal à sèche. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Alors, je rappelle donc, je vous disais, vous êtes initiateur, administrateur du groupe Facebook Police Eco, très 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 connu. Alors, comment il fonctionne ou comment elle fonctionne, parce que je parlais de la plateforme Police Eco. Oh. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation et aussi apporter une rectification. En fait, nous sommes à toutes nos plateformes confondues. Plus de 428 000 membres. Plus de 428 000. C'est ça, oui. Voilà, plus de 428 000 membres sur toutes nos plateformes confondues. Je refais le lancement. Plus de 428 000 membres. On va regarder ça pour là-bas. Toutes plateformes confondues. Facebook, Twitter et WhatsApp, Instagram et tout. Alors, Police Secours est d'abord une plateforme qui œuvre dans la relation police et population. Donc, nous sommes un peu le relais entre les services de secours et la population. Alors, c'est une initiative qui a été créée en 2015 et qui, comme je le disais tout à l'heure, essaie de relayer, remonter toutes les informations d'ordre sécuritaire qui passent sur les réseaux sociaux vers les services de secours. C'est vrai que le fait de l'appeler Police Secours avait à un moment fait penser à certaines personnes que c'était une page Facebook qui appartenait à la police. Vous avez pensé à ça? Tout à fait, et pendant longtemps d'ailleurs. Hein. Ça vous rajeunit pas. Qu'il y avait des civils. C'est bien essayé, mais c'est mal. C'est passé. En meilleure forme. Si. Je savais pas qu'il y avait des civils derrière cette plateforme. Pour moi, c'était quelque chose d'étatique, c'était quelque chose qui venait du ministère de la Sécurité. Je me suis dit d'ailleurs, c'est une super idée, la police qui se rapproche des populations. Comment est-ce que ça a été accueilli justement au démarrage, au niveau de la police? Ça a été très bien accueilli parce que moi-même, j'étais déjà au ministère de la Sécurité. Donc, j'envoie le projet vers le directeur général actuel de la police.
J'envoie aussi l'idée vers le Premier ministre actuel, qui était à l'époque ministre de la Sécurité. Et je dis à ces autorités-là que c'est important qu'une plateforme soit créée sur les réseaux sociaux pour permettre aux populations de se rapprocher de leur service de secours. Parce qu'on avait remarqué que la population avait un peu peur des services de secours. Après la crise post-électorale de 2010, et les Ivoiriens n'avaient plus confiance aux services de secours. Donc on pouvait être victime d'une agression et on ne partait pas au commissariat. Parce qu'on se disait, ben, qu'est-ce qui va se passer, ils ne vont rien faire et tout. Donc bon, j'ai eu l'idée, avec des amis et tout, de mettre cette plateforme en place. On en a parlé. Au début, c'est vrai qu'ils n'étaient pas trop chauds, ils étaient un peu sceptiques, mais après, ils ont compris l'importance et bon, ça a payé, il y a eu des résultats et tout. Et les gens arrivaient à secourir la population très, très rapidement via cette plateforme. Donc, c'était très bien accueilli. Et actuellement, nous sommes dans une période électorale assez sensible. Il y a beaucoup d'informations et surtout des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Et je pense notamment également qui sont peut-être diffusées sur votre plateforme par certains membres. Comment vous arrivez à faire le tri? Comment vous arrivez au quotidien à gérer ce flux d'informations en temps réel? Alors nous avons préparé cette période. Nous avons préparé depuis le début de l'année 2020, nous avons préparé avec notre partenaire Facebook. Il faut rappeler que Facebook nous a certifié notre page, donc nous avions eu à discuter avec eux. On savait qu'en 2020, nous serions en période électorale en Côte d'Ivoire. Donc on a préparé cette période. On s'est dit qu'il y aura beaucoup de fake news, mais il faut reconnaître qu'en 2020, on a eu, courant mois de mars, notre apprentissage sur la période de la Covid-19, la période du couvre-feu. On avait reçu beaucoup de fake news sur la maladie. Donc, quand c'est comme ça, nous mettons notre groupe en approbation et toutes les informations qui arrivent, nous la vérifions. Si l'information est bonne, nous la publions. Si l'information n'est pas bonne, ben, nous la supprimons. Mais justement, comment vous vérifiez cette information? Nous avons des points focaux. Et d'abord, nous vérifions l'information qui arrive vers nous par le membre. Nous rentrons en contact avec le membre qui envoie l'information, la véracité de l'information. Nous essayons de joindre les services compétents dans la zone. S'ils ne sont pas informés, on essaie de joindre nos points focaux qui sont dans la zone pour comprendre si, effectivement, dans cette zone, il y a un événement. S'il n'y a pas d'événement, pour l'instant, nous retirons la publication. Et après, bon, nous vérifions si l'information est bonne, mais l'information passe. Vous dites que ça se fait en temps record, quand même. Je veux bien comprendre. C'est-à-dire que excuse-moi Serge, vous faites valider d'abord la publication avant qu'elle atterrisse sur le groupe Police Secours. Non, bien ça en interne, en fait, quand l'information arrive sur la plateforme, nous, les administrateurs, nous voyons la publication. Elle n'est pas automatique ou elle est automatique? Elle ne passe pas automatiquement sur le groupe. Voilà, le groupe en approbation. Enfin, nous devons approuver d'abord la publication pour que la publication apparaisse au public. Nous prenons la publication, vérifions la véracité de l'information bien avant de la rendre publique. Justement, donc beaucoup de personnes se plaignent du fait que les publications soient effacées assez rapidement, même des fois quand elles pensent être justifiées, en tout cas avoir une information vraie. Là, vous venez d'expliquer un peu le processus. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que la publication est effacée, c'est qu'elle n'est pas forcément avérée. Oui, pas forcément cela. En fait, quand il y a une information, nous vérifions l'information dans un premier temps. Nous avons des règles à Police Secours. Nous avons des règles que nous demandons aux membres de respecter ces règles-là. Si les règles ne sont pas respectées et est-ce qu'il y a une urgence, malgré que les règles ne sont pas respectées, nous traitons l'information. D'abord, nous supprimons l'information très souvent parce qu'il y a souvent des informations qui ne respectent pas même la vie, je vais dire, vous voyez, je ne peux pas moi aujourd'hui… La vie privée. La vie privée, voilà. Je ne peux pas dire moi que Serge Kouassi, il m'a escroqué de l'argent, je mets sa photo, je n'ai aucune preuve, il y a la présomption d'innocence. Donc, même si c'est vrai… Nous, on ne peut pas permettre que la publication soit sur notre plateforme. C'est quoi ces règles, un tout petit peu? On peut les connaître un tout petit peu? D'abord, nous avons des hashtags. Le respect, oh, d'accord. Voilà, le respect de la vie privée. Le respect, en fait, il n'y a pas de numéro de téléphone qu'on publie. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Il n'y a pas de photo d'individus qu'on publie sans l'autorisation du procureur ou de l'enquêteur.
Il y a plusieurs règles comme ça que nous avons initiées. Est-ce que ces règles existaient à quel moment vous avez mis ces règles? Parce que je pense que peut-être au démarrage, elles n'existaient pas encore. Vous avez certainement dû rencontrer à un moment donné le procureur de la République. À quel moment vous avez vraiment bien défini ces règles, cette charte au sein de Police Secours? Oui, parce qu'on avait remarqué à un moment que les gens envoyaient des informations qui n'étaient pas vraiment avérées et qui c'est des informations qui très souvent dérangeaient des entreprises ou des personnes physiques. Donc, on a décidé, après que le procureur de la République nous a rencontrés… À quelle période? Quelle date? Je peux dire, le procureur nous a reçus, je crois, en courant 2017-2018. Et nous avons… Mais bien avant ça, nous, à Police Secours, on avait des règles. Mais après la rencontre avec le procureur, nous avons corsé un peu ces règles-là. Mmh. Mais hein, les urgences priment sur nos règles. Mmh. Et justement, parlant d'urgence, en cas de besoin, est-ce que vous avez une équipe propre à vous qui intervient sur le terrain? Nous fonctionnons avec les équipes officielles, c'est-à-dire la police, les sapeurs-pompiers, le CCDO, la gendarmerie. Donc de façon pratique, si aujourd'hui il se passe un petit problème et qu'on vous appelle, comment est-ce que ça se passe? Quand on nous appelle, nous transmettons l'information directement à un service de police qui s'appelle le MINOS. C'est un service qui regroupe en son sein, dans une même salle, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le CCDO. D'accord. Donc c'est un numéro que nous avons communiqué au public. On leur a dit, vous avez la possibilité de faire une publication sur Police Secours. Vous avez aussi la possibilité d'appeler directement le 20 25 00 40, qui est le numéro du MINOS. Alors nous, quand on reçoit une information qu'elle a avérée, nous informons automatiquement ces services de secours-là, qui, eux, prennent la main immédiatement. Et quel est le délai d'intervention en général, en moyenne, quand vous évaluez? Nous avons fait une évaluation, je crois, l'année dernière. Je pense qu'en 10 minutes, les services de secours sont déjà, si le lieu est bien indiqué, sont déjà sur les lieux. Vous avez des statistiques depuis la création du groupe qui prouvent effectivement que c'est… Le nombre d'interventions. Oui, en fait, on fait des statistiques par an. Donc, nous, je pense que dans l'année, nous avons en moyenne 900 interventions. En moyenne, parce que par jour, nous tournons autour de 10 et 11. Des interventions qui passent par Police Secours. Par Police Secours, que nous transmettons aux services compétents. Et au sein même des administrateurs donc de Police Secours, est-ce qu'il y a des forces de l'ordre, de gendarmerie Non, nous sommes tous des bénévoles. D'accord, nous ok. Donc vous êtes vraiment tous des intermédiaires qui relaient l'information. Qui relaient l'information vers 24 heures, 24 comment vous… par les bénévoles, donc ça répondait à la question. C'était comment vous êtes soutenu? Est-ce que vous avez des soutiens, des appuis de structures légales, d'autorités, pour pouvoir vous aider dans votre fonctionnement? Nous allons peut-être profiter de votre caméra. Donne même mon micro. Pour parler, effectivement, nous n'avons pas encore de soutien venant de l'autorité officiellement. Nous avons peut-être des structures, des sociétés qui nous aident avec des data, avec des sociétés de téléphonie qui nous aident avec des data et des crédits d'appel. De quoi vous avez besoin, en fait? Nous avons besoin d'abord d'être reconnus par l'État de Côte d'Ivoire comme d'utilité publique, dans un premier temps, et nous avons besoin aujourd'hui d'être soutenus. Vous voyez, pendant la période du couvre-feu, dans la période de la Covid-19, pendant le couvre-feu, nous avons mis en place un centre d'appel virtuel. Parce qu'on avait remarqué que pendant de 21h à 5h du mat, on avait beaucoup de femmes en travail. On avait des personnes qui étaient victimes de malaise et tout, qui ne savaient pas comment joindre les services de secours. On a mis en place pendant 4 mois ce numéro-là qu'une société de téléphonie a mis à notre disposition. Gracieusement, les gens appelaient et nous remettons les informations. Les statistiques montrent que nous avons reçu dans les 4 mois 500 appels, dont plus de 50 femmes en travail ont été secourues, des personnes prises de malaise qui tournaient autour d'une quarantaine de personnes ont été secourues aussi par les sapeurs-pompiers. Donc on souhaite demain que l'État de Côte d'Ivoire puisse nous donner une plateforme qu'on puisse venir en aide efficacement à la population, c'est-à-dire un centre d'appel pour pouvoir permettre aux populations de joindre les services de secours assez rapidement. Vous avez le DG de la police actuelle, vous avez le Premier ministre actuel, vous le parlez? Alors, Monsieur le Premier ministre, nous profitons. Non, mais je vais…
Après, vous ne vous êtes plus parlé depuis qu'il vous a aidé, lorsque vous l'avez rencontré pour mettre en place la plateforme. Vous n'êtes plus revu. Ben si, on s'est revu. Il est ouvert. Il nous a toujours reçus chaque fois qu'on a souhaité le voir. Mais nous continuons de lancer l'appel, de ne pas nous oublier, de mettre à notre disposition tous ceux dont on a besoin pour aider la population ivoirienne. Je voulais savoir, le Minos, cette cellule-là existait avant Police Secours ? Oui, le Minos existe depuis très longtemps. Le Minos a toujours existé. C'était un service qui n'était pas connu. D'abord parce que c'était un service en interne. C'est un service interarmé. Donc, de transmission. Alors, le DG actuel, ayant vu qu'il y avait la demande, donc il a permis que nous donnons le numéro du Minos à la population. Et ça marche bien. Moi, ça serait une question assez personnelle. On sait que les réseaux sociaux sont assez chronophages en termes de temps. Vous avez une vie en dehors de Police Secours. Comment vous arrivez, vous et les différents administrateurs, malgré votre vie civile, à gérer cette plateforme au quotidien, ou bien est-ce que c'est ce H24. Que vous faites exclusivement? Non, chacun de nous a son boulot, mais nous sommes organisés. Comment vous organisez au quotidien? Parce que est-ce que vous êtes devant votre écran toute la journée? Vous êtes au travail? Comment vous gérez? Non. Comme je disais, nous avons plusieurs équipes. Nous avons des équipes qui montent le matin, des équipes qui montent à midi, le soir et puis même la nuit. Donc d'abord, le matin, tout le monde est là. Et les soirs... Quelle est la tranche horaire, quand vous dites le matin? De 7h à 12h. Et tout le monde est là, tout le monde fait son boulot, mais tout le monde a obligation de jeter un coup d'œil sur la plateforme parce qu'il peut y avoir des urgences et tout. Et la soirée, c'est la même chose, mais la nuit, surtout la nuit, nous montons par groupe. Donc il y a des groupes qui peuvent commencer de minuit à 2h du mat, et puis d'autres qui montent de 2h du mat à 5h. Donc, mais nous sommes bénévoles par moment. Comment ça a été accepté ou comment ça a été pris par vos proches? Parce que ce n'est pas évident. Je veux dire, ce n'est pas une activité qui vous rapporte de l'argent. Vous êtes bénévole, vous vous mettez au service des autres, de la société. C'est un véritable sacerdoce. Alors que vous êtes censé également être là pour vos proches. Il y en a qui pourraient se plaindre. Est-ce que ça bouleversait un peu vos vies privées? Ça bouleverse tout le temps. Parce que, mais en même temps aussi, Serge, moi, je peux vous rassurer que rendre service, sauver une vie, il n'y a rien de tel. Une forme de satisfaction, voilà, et de fierté, même vos proches. Voilà, parce que moi, personnellement, je dors avec mon téléphone sous le coussin. Parce que moi, à 1h du mat, 2h du mat, quand je reçois un appel, je vous assure, à 90%, c'est une urgence. Une anecdote peut-être à nous conter, où vous avez vraiment été fier de vous, d'avoir réussi à sauver une vie? Oui, plusieurs. Parce que, vous savez, Police Secours certifié par Facebook. Donc, on a la pastille bleue de Facebook. Du coup, partout dans le monde, quand on tape Police Secours, ça vous ramène sur la Côte d'Ivoire. Sur Police Secours Côte d'Ivoire. Et nous, je me rappelle qu'on a reçu une alerte de France, de Nantes, d'une jeune dame qui était dans les toilettes parce que son mari voulait la battre et tout. Et puis bon, on a notre administratrice Nathalie Copetti qui est française, qu'on a joint, qui a appelé en France, et qui a pu faire partie de la police à Nantes pour aller sauver cette dame. Donc c'est parti d'Abidjan jusqu'à Nantes pour sauver cette dame. Mais et Abidjan? Non, mais Abidjan c'est vraiment tout le temps, il y a tellement d'anecdotes. Alors, parmi toutes ces anecdotes, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué négativement? Négativement? Oui. Est-ce qu'il y a un événement qui était vraiment malheureux? C'est ça, qui était malheureux, qui vous a marqué très négativement? Jusqu'aux larmes, par exemple. Vous avez recensé des insuffisances, peut-être, dans le fonctionnement de tout ce qui est mis en place? Le regret de ne pas pouvoir avoir assuré. Oui, il y en a tellement. Vous voyez, mais je pense que très souvent. On sauve plus qu'il y ait des regrets. Donc, je me rappelle pas vraiment qui. Mais moi, je veux bien qu'on ait cette note de joie, c'est vrai. J'ai vu qu'il a réfléchi, il s'est dit, ah, je vais peut-être dire quelque chose. On préfère se souvenir des meilleurs moments. Des meilleurs moments. Bien sûr. Moi, je reposais la question, il n'y a pas un enfant qui s'appelle Police Secours? Quelqu'un que vous avez sauvé qui a dû dire, bah, franchement, les gars de Police Secours, ils m'ont sauvé, je vais donner même le prénom Hassan ou... Ah oui, mais vous savez, nous, on a retrouvé une jeune fille qui s'appelle Maëva. Moi, très souvent, j'aime bien expliquer l'histoire de Maëva. Maëva est une élève de 5e qui aime bien l'école, mais qui s'est retrouvée avec sa mère dans une maison où il n'y avait pas d'électricité. Et donc, du coup, ses résultats scolaires étaient touchés. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé de fuguer, d'aller se mettre quelque part sous un lampadaire pour
pour bosser et elle dormait dans une maison inachevée. Donc la, l'information est passée sur police secours qu'elle elle avait disparu, donc on la recherchait, on a mis tout le monde sur le coup. Et puis, bon, le matin, on reçoit un appel d'un monsieur qui s'est dit professeur dans, une, dans un lycée, dans un collège, pardon. Il dit, ah, mais c'est la fille que vous cherchez, elle est en classe. Bon, on a joint la mère, on dit, ah, mais il y a un monsieur qui a appelé pour dire qu'elle est en classe. Bon, on se rend dans son école, un administrateur est parti avec sa mère. Effectivement, on la retrouve en classe. Donc, elle nous dit, elle en pleure, et elle dit, non, en fait, elle a fui de la maison parce que il n'y a pas d'électricité. Et elle, elle est toujours première, et pour cela... Elle a régressé jusqu'en troisième position et tout. Donc l'histoire a ému tout le monde. La présidence l'a pris en charge. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est dans un, dans une, dans un lycée, je crois, dans l'internat. Voilà, elle est pris en compte par l'État jusqu'en terminale. C'est ce que l'État, la présidence a décidé. Elle a pris en charge jusqu'en terminale. Et après, elle va bénéficier, si elle a le bac, d'une bourse pour aller étudier à l'extérieur. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, en tout cas. Et quels sont les, est-ce que vous, en dehors de la, des interactions digitales que vous avez avec les membres de Police Secours, est-ce que vous vous rencontrez dans la vie réelle avec des activités de sensibilisation ou des activités de self-defense? Quelles sont les activités que vous organisez avec les membres? Oui, bon, depuis la maladie à coronavirus, on n'a pas encore organisé de rencontres, mais chaque année, on organisait des rencontres, des réunions même, avec les membres pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que les membres souhaitent pour la suite de Police Secours. On essaie aussi d'organiser des activités, des journées civilo-militaires avec les sapeurs-pompiers, avec les enfants des membres pour former ces enfants-là aux gestes élémentaires de premier secours. Et aussi, nous organisons avec les sapeurs-pompiers des formations aux gestes élémentaires de premier secours pour les membres. Voilà. Vous mettez en déroute souvent de grands bandits, des personnes véreuses. Vous n'avez pas à faire face à des menaces, à des représailles de la part de ces vilaines personnes? Que ce soit eux qui mettent en déroute ces personnes-là, ils ne sont que les intermédiaires. Mais ils estiment que. Mais si, ils estiment ceux que. Qui les mettent en déroute. Non, ils estiment que l'information venant de Police Secours participe à leur mise en déroute. Mais. Malhonnête et de mauvaise foi. Ouais, ben non, je ne pense pas. On n'a pas reçu de menaces venant de. D'une personne, parce que déjà, comme Serge l'a dit, en fait, nous ne sommes pas sur le terrain. Nous transmettons l'information que nous recevons des membres vers les services compétents. Donc après, le suivi, ce qui se passe, la qualité du travail sur le terrain, bon, n'incombe pas vraiment à Police Secours. Ou peut-être qu'il y a eu des informations à l'époque qui avaient été transmises sur la plateforme, après retirées parce que n'étant pas avérées, qui ont pu offenser certaines personnes, qui ont pu écrire à Police Secours pour dire « Vous avez été une plateforme sur laquelle j'ai pu être lâché. » Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes des bénévoles. Très souvent, on peut prendre 20 minutes ou 30 minutes, nous ne sommes pas sur la plateforme, parce que occupés à nos charges. Voilà, donc du coup, quelqu'un peut faire de la diffamation sur une personne, sur une tierce personne. Ah, il m'a doublé, il m'a volé, il m'a anarché de l'argent et tout. Par contre, l'information n'est pas juste, c'est une fausse histoire. Donc, même quand on retire, il y a des captures d'écran qui ont été faites. Donc, mais vous disiez que vous approuviez toute publication d'abord. En période sensible. D'accord. En période sensible. C'est-à-dire, en ce moment, nous sommes en période très sensible. Donc, pour ça passe par une approbation, mais généralement, ça passe pas. Généralement, ça passe pas parce que l'approbation tue souvent l'urgence. La réactivité, oui. Voilà. Donc, nous, souvent, ne sommes pas là, mais les sapeurs-pompiers sont là, la police est là, et souvent, ils prennent la main avant même que les administrateurs. Ne réagissent. Ouais. Alors, une question de développement, hein, peut-être d'ambition aussi. Est-ce que vous avez pensé à lancer des systèmes d'alerte comme ça se fait aux États-Unis avec Amber ou en France également, en partenariat avec des chaînes de télé, notamment des chaînes nationales comme Live TV, pourquoi pas, pour essayer d'agrandir un peu plus le mouvement et le faire sortir des réseaux sociaux, puisque ça commence vraiment à prendre de l'ampleur? Bien sûr, nous avons pensé à ça. Nous avons un projet, je crois, qui est ça doit être dans les couloirs de Life déjà. Si je l'ai rencontré tout à l'heure. Je rencontre un projet. Je balade dans les couloirs de Life. Voilà. Je l'appelais. Je t'oriente vers un bureau. Donc, nous avons aujourd'hui le site internet policesecours.net qui marche bien. Et nous avons en projet de mettre un système d'alerte
d'applications mobiles, des missions faits divers et tout que nous sommes en train de préparer. À ce moment-là, on n'est plus vraiment bénévole, on commence à avoir de l'ambition, à se dire bien tant sûr, qu'à faire. Le modèle économique. Mmh. Ok. Voilà, nous pensons au modèle économique Police Secours. Nous avons pensé et nous appelons des bonnes volontés à venir nous accompagner sur ce projet. Voilà. Vous avez parlé de, on parle de périodes sensibles. Vous avez parlé également des statistiques que vous recensez chaque année. Pendant cette période, est-ce qu'il y a des formes d'attaques ou d'agressions qui sont assez récurrentes? Quelles sont celles que vous recevez le plus? À quoi, comment doit-on faire attention? Est-ce qu'on doit faire attention à un type d'attaque bien précis? Vous parlez de la population? De la population. Quelles sont les attaques les plus récurrentes en ce moment, ces trois derniers mois? Bon, ces trois derniers mois, nous avons des agressions, des agressions des enfants en conflit avec la loi, la petite délinquance. Donc, ce sont ces informations-là que nous recevons le plus sur la plateforme, mais qui sont traitées. C'est des informations qui sont traitées quand nous transmettons aux services compétents. Après, nous avons le résultat, les arrestations, nous avons des photos, nous avons en tout cas des chiffres. Donc, nous sommes satisfaits parce que toutes ces informations d'agression et autres qui viennent vers nous, qui sont remontées, nous avons un retour de la police ou de la gendarmerie par rapport au traitement qui a été fait. Et au-delà des interventions, donc de tout l'intermédiaire que vous faites hein, en cas de besoin, est-ce que vous sensibilisez en amont déjà contre les violences? Comment oui, vous faites? Oui, nous sensibilisons. Aujourd'hui, cette année, notre thème c'est sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Donc nous sensibilisons beaucoup sur ces deux thèmes. Et en général, nous essayons de sensibiliser la population sur toutes les formes de criminalité, de banditisme et tout. Donc demandons à la population de faire attention parce que voilà, il y a telle forme de banditisme qui existe et tout et tout. Justement sur les formes de criminalité, vous êtes également sur Facebook. Est-ce que vous, je ne sais pas, je ne vous demanderai pas forcément des statistiques à ce niveau-là, mais est-ce que vous remontez, est-ce que vous avez des plaintes, vous enregistrez beaucoup de plaintes par rapport à la cybercriminalité qui sont remontées aussi vers ce service compétent? Ben oui, nous recevons beaucoup de plaintes sur la cybercriminalité qui sont remontées directement au service qui s'en charge, la DITT, donc avec qui nous avons un partenariat. Donc toutes les plaintes sur la cybercriminalité sont remontées directement vers ce service-là, ils prennent la main et il y a des très très bons résultats. Voilà. En même temps, nous sensibilisons nos sœurs, nos frères à faire très attention. Et à signaler également si jamais ils sont victimes. Victimes de ça, voilà. Parce que celui qui est derrière l'écran n'est pas forcément Samuel Eto'o, n'est pas forcément... telle personne, donc du coup... Samuel Eto'o sur LinkedIn, par exemple. Non, Barack Obama m'a écrit hier sur ma page. Je lui ai dit, Barack Obama, merci beaucoup. Voilà. J'ai autre chose à faire. Alors justement, ce que vous dites, hein, et je crois que je pense avoir bien compris, c'est que vous ne vous substituez pas aux forces de police. Donc, dans un premier temps, le réflexe, c'est de contacter les services compétents et si on a le temps, si on peut le faire, passer par votre plateforme. Oui, et c'est pour ça que je voulais vous demander de rappeler le numéro de téléphone que vous avez évoqué tout à l'heure pour les urgences. Le numéro du Minos, alors c'est le 20 25 00 40. On demande aux populations de faire très attention parce que le Minos reçoit beaucoup d'appels malveillants. Du coup, ça ne permet pas aux services d'être réactifs. On en parlait tout à l'heure pour les sapeurs-pompiers, le numéro vert. Vous avez beaucoup de fake news également qui sont postées sur votre page, des gens qui ne sont pas victimes de... qui n'ont pas de problème et qui font comme. Bien sûr, nous allons. Mais c'est un espace pour le buzz aussi. Oui, nous avons croisé plusieurs fake news. Mais qu'est-ce qui se passe dans le recoupement quand vous vous rendez compte que ces personnes-là n'ont pas besoin d'aide et que vous avez quand même déplacé des sanctions, des services? La sensibilisation, nous continuons dans la sensibilisation. D'abord, nous retirons le poste. Si la personne récidive, on est obligé de retirer la personne du groupe pour ne pas perdre des autres urgences, parce qu'il y a plusieurs urgences qui arrivent et tout ça. Monsieur Hassan Koulibaly Keïta, je dis les deux. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et en tout cas, on peut retrouver donc Police Secours sur les différentes pages des réseaux sociaux. On souhaite bon vent à votre initiative et que ce que vous avez souhaité, c'est que vous soyez reconnu comme un outil d'utilité publique, soit effectif pour le bien des populations.
Je voudrais, si vous me permettez, remercier la police nationale, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, en tout cas tous nos partenaires qui nous accompagnent sur ce projet. Et on va essayer de s'assurer que le projet ne se soit pas trompé et perdu dans les couloirs de... Non, je vous promets, je l'ai rencontré, il est sur la bonne voie. D'accord, okay. Il est en train de partir vers le bon bureau. Merci d'avoir été. Une heure. Merci. Non, ça va. Il n'est pas arrivé encore. C'est pendant qu'on est à l'émission, j'ai reçu des informations. Je vais me renseigner. Ça se passe merci bien. Beaucoup. C'est la fin du Live Talk. Ce soir, nous avons été très très heureux de partager avec vous ces moments. Rendez-vous demain, même heure, même canal, sur ce plateau là avec cette recommandation. Prenez soin de la Côte d'Ivoire et que Dieu vous garde. Et ne partez pas.